Moi, c'est Espedi Aktamou. Je suis le président de l'ONG Yad Africa et je représente avec M. Lurich l'organisation Climate, qui est une organisation française au Bénin ici. Okay. Et Climate intervient uniquement sur les changements climatiques et les idées pour pouvoir contribuer à l'atténuation, à l'adaptation des changements climatiques. Aujourd'hui, nous sommes tous conscients que les changements climatiques vraiment font des ravages et dans la vie active. Et nous, en tant qu'humains, on doit mener des actions pour pouvoir ne serait-ce que nous adapter aux effets néfastes des changements climatiques. Ce qui nous motive à travailler dans ce sens-là avec Climate. D'abord, il faut dire que nous sommes tous des étudiants finissants, s'il faut le dire, et on a eu à faire, la majorité d'entre nous, la gestion de l'environnement. C'est pour dire que c'est notre domaine, c'est ça qu'on a étudié. Donc aujourd'hui au Bénin, c'est que le Bénin ne peut pas se mettre en marge de cette réalité-là, qui est les effets néfastes des changements climatiques. Donc si nous au Bénin ici, nous ressentons aussi ces effets. Si on prend déjà nos parents qui sont au village, je veux parler des paysans, et les cultures n'ont plus les mêmes rendements qu'il y a cela 10 ans, 20 ans. Ce n'est plus les mêmes réalités. En dehors de ça, il y a la pluviométrie qui a changé complètement aussi. Donc tout ça, c'est dû aux effets des changements climatiques. Donc nous, on ne peut pas rester là, dire que c'est l'affaire des autres. On doit contribuer aussi. Et à côté aussi, ça nous aide à maîtriser ce qu'on a appris à l'école. Puisque notre système éducatif, c'est la théorie pratiquement. Mais ici, avec Climate et nos organisations, nous sommes tout le temps sur le terrain pour parler des changements climatiques, faire la promotion des innovations qui vont dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques. Et cet après-midi, c'est une séance d'échange avec les différents acteurs qui interviennent dans la lutte contre les changements climatiques pour pouvoir installer un réseau national des jeunes pour qu'ensemble nous puissions mener des projets, développer des idées pour pouvoir vraiment impacter la population béninoise dans le domaine.